Attention, gros morceau, continuons dans les leaders. Zinedine Zidane, Franck. 2. Chapeau 2 pour Franck. Pour 2, pour moi 2 également. Daniel ? Ah, chapeau 1 pour moi. Chapeau 1, si demain j'ai un club, putain, évidemment que je le mets dans, dans mes 6 premiers noms, Zidane, quand même, quoi. Philippe ? Je le mets hors concours. Si tu l'as à Tottenham et que tu as Zidane, c'est parce que ça va donner. Parce que. Mais j'ai pas Tottenham, j'ai mon club à moi. Attends, s'il vous plaît, écoutez Philippe. Parce que c'est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid, mais je suis pas entraîneur du. Je suis pas propriétaire du Real Madrid. Et si je suis propriétaire de mon club, je sais pas si je vais vers Zidane. Mais en même temps, il gagne la Ligue des Champions, il est au top. Donc il est dans, pour moi dans un chapeau en dehors. Tu vas faire pareil avec Guardiola. C'est Simonet non, d'abord. Non, parce que ça fait qu'un an et demi que Zizou est. Un argument. T'as le droit à avoir ton argument. Ouais. Voilà, moi je le mets chapeau, hein, vous faites ce que vous voulez. Simonet. Moi je mets dans les chapeaux si Antonio Conte a changé de portable, lui il est numéro 2 sur ma liste. Donc chapeau 1. Chapeau 1 pour toi. Fred. Évidemment, chapeau 1, vainqueur de la Ligue des Champions, leader de la Liga, record absolu de victoire, enfin de matchs sans défaite, une gestion parfaite du groupe. Enfin, de toute façon, c'est évident. Et ben moi, je veux dire, je l'avais mis chapeau 2, parce que je m'étais dit, il méritera le chapeau 1 quand il aura montré dans un autre club de quoi il est capable. Je suis exactement d'accord avec toi. Mais c'est mon premier avec Guardiola aussi. Le record de ce soir, pour moi, le fait basculer dans le chapeau 1. Parce qu'en plus, moi aussi, allez, je te le mets aussi. Allez, si ça doit faire pencher la bonne balance, je le mets dans le chapeau 1. En plus, il faut un peu de chance dans la vie. Et il en a quand même un petit peu, là. Il reste 8 secondes. On disait que Deschamps, il était... On disait que Deschamps était quand même assez chanceux, mais alors Zizou. Mais bon, en même temps, c'est les grands joueurs ou les grands entraîneurs qui ont de la chance. Hein.